Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la vie après une journée de jeu sur No Hazard. Pourquoi je donne mon avis après une seule journée? Parce que je compte pas faire très très long feu sur le jeu. De par son design qui me donne pas très envie. C'est le design Made in 2, du coup, 2000, jeu qualité 2012-2013. On va dire les 2015, on va pas être trop méchant non plus. Et après, en soi, le problème c'est que on a l'impression de jouer à un jeu style Ni no Kuni. Et les jeux de style Ni no Kuni ne marchent pas trop en Europe et encore moins en France. Troisième point négatif, je dirais que c'est le chat qui est rempli que de Russes, très très peu de Français. Très peu d'anglais, très peu d'espagnol. C'est pour ça qu'on a vu quasiment, je dirais, 8 millions. Sur les 8 millions de préinscriptions, on a dû voir quasiment plus de 5 millions de Russes. Et ce type de jeu, c'est plus plaisant pour les Russes que pour les autres, on va dire, pour les Européens, quoi. Pour les autres Européens. En dehors de ça, je dirais quoi? Le jeu est plaisant, mais bon, c'est moyen parce que le jeu est vraiment très axé pay to win. D'ailleurs, on va aller voir ça directement. Alors voilà, cadeau du premier mois. Non, ça c'est pas ici. C'est pas là. Voilà. Voilà le premier pass. Qui est. Attendez, je sais même plus où c'est. Offre spéciale, voilà. Ça c'est pour la première recharge. Après on a ça. Après on a l'abonnement annuel. Enfin mensuel plutôt. Après on a le pack où on gagne Kage. Ok. Après on a les fameux packs quotidiens. À la Saint Seiya Legend of Justice. Après on a les offres hebdomadaires. On a le pack spécial Suprême Fantôme. Où on drop Antonia. Artien et Eve. Et après on a la petite prière. Ok. Sans compter bien sûr ça. Bon ça encore ça va. Mais voilà, on a également des passes de combat. Voilà, on en a 4 au total. Qui nous donne la totalité, mais je veux dire dans les environs. Mais je pense réellement qu'il nous donne 50 à 60. Même plus, hein. Je dirais 25 poules, 25 multi environ. Si on prend les 4, 25 multi, c'est énorme. J'ai pas dit 25 poules, hein, 25 multi. Sans compter les. Sans compter que plus on achète, plus on remplit la jauge du VIP. Et oui, faut le dire, il y a aussi un système VIP. Le système VIP qui détruit le jeu. Qui détruit vraiment le jeu. En fait, c'est ce jeu. Dès que FMA va sortir, déjà, il va lui mettre une claque. Sans compter l'arrivée de Tower of Fantasy derrière, qui va lui remettre une claque. Encore et derrière encore, Honkai Star Rail qui sort fin d'année avec Black Clover Mobile. Du coup, ce jeu-là, je lui donne grand max un mois avant que plus personne n'en parle. Il y aura sûrement des vidéos sponsor, des vidéos partenariat et tout, mais le jeu en soi. Je vais pas vous mentir. Il a réellement aucun avenir. Hein. Déjà, si on parle du gameplay, c'est un jeu qui se joue en full auto. Du coup, c'est pour ça que je l'ai comparé à Ni no Kuni Cross World. C'est parce que ce jeu-là se joue vraiment en full auto. Là, je suis en full auto, je joue pas. Hein. Et qui plus est, les persos sur lesquels on invoque, on les joue même pas. En soi, on les joue même pas. Ils sont là en tant que support, en tant que familier, en tant que NPC comme disent les Anglais. Qui fait que c'est encore moins plaisant. La qualité, même si là je joue en ultra, pour moi c'est un jeu qualité réellement qualité 2015-2016. Enfin, entre 2014 et 2016. Certes, le jeu est méga fluide, mais ça manque de. Ça manque d'effet. Ça manque vraiment d'effet de dynamisme.
Voilà, c'est exactement ça. D'ailleurs, on est en live. Bon, là, il y a quasiment personne. On est trois au total. Mais voilà, l'avis de Yamete, il dit que mon avis sur le jeu, je trouve qu'il n'est pas terminé. C'est ce qu'il dit. Et je suis d'accord avec lui. Le jeu n'est pas du tout terminé. Le jeu, pour moi, réellement, c'est du suicide, hein, d'avoir lancé un jeu comme ça. 8 millions de préinscriptions pour un jeu comme ça. C'est choquant. Même Tower of Fantasy, il n'a pas fait autant. Il a fait 3 millions, plus de 3 millions. Et voilà quoi. Bon, je pense que concrètement, on s'arrête pour cette vidéo critique, cette vidéo avis sur le jeu. Qui, je pense, le jeu en France ne va pas perdurer plus de 6 mois. Déjà, d'ici fin d'année, il sera aux oubliettes, même d'ici 2 mois. Vu l'accès pay to win et pay to fast qu'il a. En dehors de ça, même si le jeu est complet, MMORPG et gacha mélangé, en comptant le système de doublon dégueulasse qu'il y a, parce qu'en fait, je vous explique. Il vous faut un doublon pour le passer une étoile. Mais pour le passer de une à deux étoiles, il faut deux doublons. Et ainsi de suite. Deux doublons, quatre doublons, cinq, six, sept, etc. Ils ont repris exactement le même système, si je ne dis pas de bêtises, que MHA Strongest Hero. Et ça, c'est très, très, très malheureux. C'est pour ça que je dis que là, qu'il est vraiment très, très pay to win, vu qu'il y a un PVP derrière, en fait. Il y a un PVP derrière et c'est du matchmaking en fait. C'est du PVP en temps réel et non contre des bots. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Tower of Fantasy. N'oubliez pas qu'on est en live quasiment tous les jours sur plusieurs jeux. En attendant Tower of Fantasy, FMA, Black Clover Mobile. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.